joie du Seigneur, mon frère, ma sœur, shalom. Je te souhaite un bon dimanche, un bon repos dominical. C'est une grâce de se retrouver. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Alors nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de la parabole des vignerons infidèles. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur m'appelle, le Seigneur t'appelle, mon frère, ma sœur. Le Seigneur nous appelle à travailler à sa vigne. Le Seigneur nous appelle à travailler pour le royaume des cieux. Alors il n'est plus question, l'évangélisation aujourd'hui, ce n'est plus une affaire des prêtres, des religieux, des religieuses, du pape, des consacrés, non. L'œuvre du Seigneur, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous sommes tous appelés à être des collaborateurs de Dieu sur la terre. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie travailler à sa vigne. Et je suppose et je suis sûre que nous ne voulons pas être comme ces vignerons infidèles dont l'Évangile nous parle, qui n'ont rien fait de la vigne, qui ont saccagé tout. Nous voulons être des vignerons fidèles, des personnes qui répondent à l'appel de Dieu. C'est ce que nous voulons être. Alors demandons la grâce à Dieu en ce dimanche. Et surtout, disons-lui, manifestons à Dieu véritablement ce désir de le suivre, ce désir de faire sa volonté, ce désir de travailler pour lui, ce désir de témoigner de son amour partout où nous nous trouvons, ce désir de proclamer l'Évangile dans notre entourage, que ce soit par nos mots, que ce soit par nos actes, ce désir d'évangéliser, ce désir de parler de lui, ça doit être comme un feu brûlant que nous voulons. Seigneur, alors nous voulons te donner en ce jour nos vies, faire ta volonté dans ce monde qui est perverti, dans ce monde où le péché a déjà pris son règne. Mais Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons continuer à œuvrer pour ta plus grande gloire. Alors nous te prions en ce jour de nous recevoir, Seigneur, tel que nous sommes. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté.
Et c'est vraiment par amour que le Seigneur nous a choisis. C'est par amour que le Seigneur nous a établis, afin que nous allions et que nous portions du fruit, et que ce fruit demeure. Il l'a fait par amour pour toi, il l'a fait par amour pour moi. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, répondons à cet appel d'amour, à cette initiative que le Seigneur a pris de nous choisir, de te choisir, de me choisir. C'est lui qui l'a voulu. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, non. C'est lui qui nous a choisis par amour pour nous. Ta volonté, je veux faire. Pour ce temps de grâce. Merci parce que tu nous donnes la capacité d'œuvrer pour ta gloire dans ce monde. Merci de ce que tu nous remplis de toi. Merci de ce que tu nous capacites, Seigneur. Merci de ce que tu reçois tout de nous. Tu reçois nos vies, nos cœurs, tout ce que nous sommes, afin de faire ta volonté. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur qui m'écoutent, Seigneur. Je te prie de le remplir, de la remplir de toi, de ta force. Et que ton règne vienne en ce monde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, mon frère, ma sœur. Je te souhaite un bon dimanche, une bonne journée et que Dieu te bénisse encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.